ريح وسمع لي يا خزر في قعدات طويلة وتمتع بيا بالنظر تشوف ناس كثيرة فيا لغتنا تنهدر باللهجة الجميلة عايزة الصغر والكبر في عائلات كبيرة في البلاد ولا في الغربة البعد اللي ما هو سبا في البلاد ولا في الغربة بعد لي ما هو سبا جيت من بلاد الشمس والبحر وسواحل طويلة وغوابي لونها خضر العادات كثيرة كل وحدة عندها عطر وحكايات جميلة وصحاري فيها تمر في واحات كبيرة في البلاد ولا في الغربة البعد ليا ما هو سبا في البلاد ولا في الغربة alors je suis d'abord ici pour Fadila pour la femme pour cette femme solidaire conviviale souriante intelligente qu'est Fadila je suis aussi pour la soutenir comme femme politique Fadila d'abord une femme politique de qualité parce que pour moi ce qui compte quelle que soit l'origine des personnes c'est qu'on puisse défendre un projet qu'on puisse le faire avec intelligence avec conviction et mener à bout des projets importants notamment pour les Bruxellois et Fadila c'est ça et puis effectivement Fadila c'est aussi une femme issue de la diversité et qui montre que la Belgique et que Bruxelles en particulier ce sont des institutions ouvertes aux hommes et aux femmes, quelles que soient leurs origines, pour autant qu'on soit ensemble et solidaires autour de valeurs, de projets, de convictions. Donc Fadila, elle fait honneur au Parti Socialiste, elle fait honneur à Bruxelles, elle fait honneur à la Belgique. C'est un combat de tous les jours qui n'est jamais tout à fait abouti, on le voit bien. Ce qu'on croyait acquis, on peut le perdre tout aussi rapidement. Donc ça nécessite de la vigilance, de l'engagement, et Fadila le fait merveilleusement bien jour après jour. Bah oui, je ne rate jamais le rendez-vous du bal de Fadila Lanan, parce que c'est toujours une soirée exceptionnelle qui est caractérisée par de la bonne humeur, de la convivialité, de la diversité et finalement aussi de la générosité, tout ce qui est à l'image de Fadila. Donc pour moi, c'est vraiment toujours un grand honneur de venir à ces soirées. Oui, je ne vais pas gâcher la soirée en parlant de la main de la NVA. Moi, je n'y vois pas une main d'ouverture, j'y vois plutôt une main gloutonne, une main qui veut s'accaparer de tout ce qu'elle peut. Et ça ne va évidemment pas, on ne va pas les laisser faire. Voilà. Oh, mais ça, je n'ai pas de jugement par rapport à l'argent et la manière dont ils le dépensent. Maintenant, ce à quoi il faut faire attention, c'est au fait que ce sont des messages qui vont simplifier ou ils vont faire croire finalement... Ce sont des gens comme tout le monde, que c'est un parti comme les autres. Or, il faut quand même rappeler que ce parti ne reconnaît toujours pas la région bruxelloise en tant que telle, vise toujours à la fusion des communes, la fusion des zones de police. Donc il faut pouvoir s'opposer à ce type de message. Et ça, ce sera notre responsabilité dans les semaines et dans les mois qui viennent. Je crois que Fadila prouve au quotidien, par son travail, par ses choix, par ses projets, qu'il y a une valeur ajoutée à ce que l'on est. Qui soit représentatif de notre région, de notre pays. Et voilà, par sa présence même, il n'y a pas besoin d'arguments, c'est une évidence. Alors, tout d'abord par rapport à la soirée, je pense que comme toujours, le bal de Fadila, c'est vraiment l'endroit où on s'amuse. C'est un endroit convivial et un endroit où ça permet de rencontrer tout le monde. Alors Fadila, mais que dire d'autre que du bien de Fadila? C'est une fille super que j'ai rencontrée. Change pas dans sa simplicité, dans sa bonne humeur, donc je l'adore.
passe. Alors, moi je m'entends pas. Sur la télé algérienne. Assalamu alaikum. Et c'est tout ce que je sais dire. Je m'appelle Vince, tous les soirs sur Fun Radio. Et c'est par hasard que je suis là. Et je m'entends pas. Tu t'entends toi? Non, moi je m'entends pas, mais je suis sûr que lui nous entend. Mais ça va passer, hein. Il a plein de téléspectateurs. Hein. Eh ben ça fait plaisir. Bah coucou à tout le monde alors. Bisous, bye bye, ciao. Je suis très fier qu'elle soit, qu'elle soit ministre et qu'elle nous représente. Et en tant qu'artiste aussi, je suis très content d'être là parce que j'ai créé un spectacle qui s'appelle Djihad. Et quand on a eu besoin de soutien, la première personne qui nous a aidés, ben c'est Fadila, qui n'a pas posé la moindre question sur le texte, sur le contenu, et qui a dit voilà, je vous soutiens parce que ça a un intérêt de le faire. Et si la pièce marche aujourd'hui, ben c'est grâce à elle. Bonsoir tout le monde, ça fait plaisir de se retrouver ici au bal, 11e bal de Fadila Lanen, Madame la ministre du Sport. C'est une femme très active, c'est une femme, je dis, fidèle aux personnes qui le soutiennent. C'est une femme modeste, simple. Je suis très heureux de retrouver ici tous les amis et tous les collègues. Surtout ici, les membres de l'association Voltaire, on aime Fadila, bonne continuation et bon travail, voilà. De Fadila ou de la mienne? Je crois qu'elle n'a pas de valeur ajoutée. Elle est à elle seule la valeur ajoutée, je veux dire, de ce qu'on pourrait appeler la valeur ajoutée de l'immigration. Elle est une Belge 1.1. Voilà, donc elle a une valeur ajoutée, ouais.
Alors Fadela, c'est une femme géniale, c'est une femme qui défend les valeurs de la diversité et on la soutient. Papa, c'est représente la diversité du festival. Très heureux que ici vous avez les Sénégalais, les Marocains, les Italiens. Et chaque année, depuis 5 ans, je viens pour se souvenir Fadila. Mais pas simplement ça, mais simplement que Bruxelles est multiraciale. Et la preuve est là, avec mon équipe, on a 14 nationalités. Et vive Fadila et vive le bal. Alors Samir, aujourd'hui donc c'est la diversité, c'est un bal de Fadila Lalane. Un mot par rapport au 6e sens, c'est les activités que tu voudrais faire en Algérie justement. Ouais, mon objectif c'est, comme tu vous l'ai dit, c'est de revenir en Algérie, parce qu'en Belgique, le handisport c'est mort. Donc je vais développer dans nos racines au Maroc et en Algérie. Je développe déjà au Burkina Faso. Et mon objectif c'est de au Maghreb, que le Maghreb entre Algérie, Maroc et Tunisie s'unissent pour le handicap. Hein. Ok, ça marche en tout cas. Donc le Maghreb uni ici en Belgique. Pas dit la merci beaucoup. Ciao. Eh bien ce soir, d'abord je voudrais remercier TV Bord d'être présent. Soirée, mon 11e bal de la solidarité, et je voudrais vraiment remercier l'ensemble des participants et puis inviter tous les autres qui ne sont jamais venus à mes soirées de venir par exemple l'année prochaine en 2016, Inch'Allah. Merci et belle soirée à tous. Alors, eh bien, je crois qu'elle est très exactement à sa place dans une commune dont toutes les communes c'est une femme, ce qui ne plaît certainement pas en faveur de ceux qui pensent qu'il faut toujours que ce soit des hommes et que ce soit des personnes assises. Je pense qu'elle peut apporter quelque chose de neuf et qu'elle le fera. العربي